une partie migrera en Inde dans un climat plus doux. Ceux qui sont restés sur place ont préservé le secret de leur savoir, mais leur pacifisme leur a été fatal. Ils n'avaient pas développé d'armée puissante. Tous ceux qui visitaient l'Égypte repartaient éblouis par le pays des Lumières. Au fil des siècles, le savoir d'Imhotep et des Égyptiens s'échappera et se propagera à travers le monde entier. Leur savoir ne sera pas perdu. Il sera partagé, parfois pris de force par les Perses, les Grecs, les Philistins, les Romains, le monde entier. Il sera transmis de génération en génération. Pendant presque 3000 ans, Imhotep a été vénéré comme un dieu. Des pèlerins venaient chaque année de tous les coins du monde jusqu'en l'an 350, date à laquelle Constantin décida de convertir tout l'Empire au christianisme. À partir de cette époque, les temples dédiés à Imhotep le prophète seront détruits et les prêtres massacrés. Les croyances païennes et égyptiennes ancestrales seront toutes effacées. Imhotep sera remplacé par Jésus-Christ et il tombera dans l'oubli. Le traité d'Imhotep sera remplacé par le serment d'Hippocrate. Les Afro-Égyptiens étaient vus comme des dieux pour les peuples qu'ils rencontraient. Nous réalisons maintenant qui sont ces extraterrestres et ces dieux. C'étaient les premiers scientifiques de l'humanité, les pères de la chimie, de la physique, des mathématiques et de la géométrie. Les Égyptiens ont fondé la civilisation moderne. Le Nil était doublement sacré. Il offrait de la nourriture, mais pas seulement. Le Nil leur a donné ce qu'il y a de plus précieux au monde, le temps. Du temps, 4 mois par an pour réfléchir et observer. Du temps pour faire de la science. Qu'est-ce que la science? Quelle est la définition de la science même? La science est expérimentale, vérifiable et visible. Des milliers de livres écrits, proposant chacun une hypothèse pour écarter les Égyptiens et mettre à la place une civilisation extraterrestre, Atlantes, astronautes disparus ou des esclaves, c'est de la fiction, de la fantaisie et non pas de la science. Il n'y a aucune preuve pour affirmer l'existence des extraterrestres. Sans jouer avec les mots et avec la sémantique, sans faire de philosophie, le fait de ne pas avoir de preuves scientifiques est déjà une preuve. Depuis des milliers d'années, nous sommes seuls sur la Terre et nous le resterons pour longtemps encore, seuls, face à nous-mêmes. Ces théoriciens de l'ignorance et de l'obscurantisme appartiennent désormais aux poubelles de l'histoire. Les poubelles de l'histoire sont là, pour entreposer ces livres et ces théories. Il ne faut surtout pas les faire disparaître, afin que l'humanité puisse se faire sa propre opinion. Croire que le développement et l'intelligence humaine soient venus d'ailleurs, c'est beau, c'est romantique. Nous n'avons pas envie d'être seuls dans l'univers, mais ce n'est pas la vérité. Un mythe disparaît, et plus précisément celui d'une civilisation inconnue. La vérité, c'est que cette civilisation, mystérieuse et grandement développée, est l'Égypte. S'il y a une vérité obscurcie, c'est que cette Égypte est nègre. Ils découvriront l'énergie solaire. Sans l'énergie solaire, il n'y aurait pas eu de pyramide. Les Afro-Égyptiens ont découvert que la Terre était ronde. Et ils ont été les premiers à l'avoir parcourue et explorée de long en large. À chaque fois qu'une civilisation a été mise en contact avec l'Égypte, des temples ont surgi et elle a été propulsée en avant. Un mythe est né, celui de la pierre taillée. L'humanité s'est construite avec du béton et non pas avec de la pierre taillée. L'histoire antique de l'Égypte, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique est à réécrire entièrement. Avant les sculptures de Michel-Ange, il y avait la perfection égyptienne. Vous avez dit le sourire mystérieux de la Joconde? Regardez plutôt le sourire énigmatique de Ramsès II. Vous cherchez les Atlantes? Les voici. Ils sont en Égypte. Avec les tandems chimie et physique, maths et géométrie, l'Égypte nègre a permis de bâtir des temples, des rues, des maisons, des stades, bref, de quoi construire l'humanité. Ils ont posé les piliers de la science, le premier alphabet et son art, la philosophie, la médecine, les religions. Ils sont à l'origine des cultures du monde. Ils ont créé les cultures du monde. C'est cela le plus grand mystère de l'humanité. Là où ils mettaient les pieds pour se reposer, ils bâtissaient un temple et plus tard une ville était née. Posons la bonne question.
Devait-on en finir avec le mystère des pyramides entretenu par certains égyptologues? L'Égypte a une tâche importante, celle de préserver le berceau de l'humanité. Il est du devoir de tous les pays de l'aider, car si vous n'avez pas de passé, vous n'aurez pas de futur. Imhotep a été le plus grand scientifique de l'humanité. Et les nègres d'Afrique ont donné leur savoir, la chimie, l'architecture, la géométrie, les mathématiques, à tous les autres peuples. Et en retour, qu'a-t-elle reçu en récompense? Des siècles d'esclavage, de souffrance, la misère, les massacres, et ça n'en finit pas. Le pillage et l'insulte envers l'Afrique continuent. Et si enfin on mettait tout en commun? Il est temps que l'humanité grandisse.